الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، tout d'abord, je m'excuse pour la demi-heure qui a été rajoutée. Comme je l'ai précisé pour ceux qui ont vu le tweet, j'ai essayé de le préciser un peu à l'avance, même si ce n'était pas énorme. Pour ceux qui ont vu le tweet et le snap, c'était pour permettre aux gens de prier Salat l'Aïcha, parce que je comptais faire le cours à 22h comme prévu, quand j'ai vu que l'Avan était fixé à 22h11. Donc ça ne laissait pas de temps pour assister à Salat l'Aïcha. Donc au moins pour ceux qui voulaient assister, il y a eu une marge de temps, et pour ceux aussi qui voulaient prier à l'heure, il y avait une marge de temps. Ibnillah ta'ala, on va commencer la séance ou l'explication du hadith numéro 5 des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Rahimahullah ta'ala. Amin wa iyyakum. Donc tout d'abord, qui peut me rappeler le hadith qu'on a vu précédemment et qu'est-ce qu'on y a évoqué? Très rapidement, on va laisser 5 minutes pour la révision. Qui peut me rappeler le hadith qu'on a évoqué précédemment, qu'on avait vu précédemment et que ce qu'on y a évoqué? Ne faites pas les timides. Alhamdulillah qu'on n'entend pas votre voix. Non. Crainte et espoir, ahsanti. Non, l'islam est bâti sur 5 piliers. T'as loupé quelques épisodes après. Ah non, astaghfirullah. Astaghfirullah. Non, non, non. Vous avez raison, c'était le même cours. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Non. Les 5 piliers de l'islam. La personne qui me demande depuis 5 cours si je suis Habashi, ça suffit maintenant, je ne suis pas Habashi du tout. Donc on avait vu les 5 piliers de l'islam, on avait vu que l'importance du troisième hadith, c'est la parole Bouniya. Donc l'islam a été bâti sur ces 5 piliers-là. On avait vu également dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le quatrième hadith, la création de l'être humain, donc les phases par lesquelles passe l'être humain, le fait qu'au bout des 40 jours, dans une version du hadith, ou des troisième 40 jours, un ange est envoyé pour écrire les quatre paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'écrire du destin, et pour insuffler l'âme dans l'embryon. Et on a vu aussi ce qui nous apporte la crainte et l'espoir, le fait que personne ne doit se contenter de cette situation et dire « Khalas, moi je suis sur la piété, je resterai sur la piété » ou alors « Je suis dans les péchés, je resterai dans les péchés ». Tout est... Rien n'est scellé pour personne. Celui qui est sur la piété, il peut changer du jour au lendemain. Et celui qui est sur l'égarement, il peut changer du jour au lendemain. Et une anecdote par rapport à cela, pour terminer ces 5 minutes de révision-là, il nous reste 2 minutes. Al-Fudayl ibn Iyad. Donc déjà, il y a des compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont apostasié. Il y a des gens à l'époque d'Abu Bakr aussi qui ont apostasié. Donc les gens qui étaient avec les meilleures époques, il y en a parmi eux qui ont apostasié. Il y a également parmi les plus grands savants de notre communauté, des gens qui étaient complètement égarés. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il fait partie des plus grands savants et des plus grands pieux et des plus grands ascètes de cette communauté-là. C'était quelqu'un qui était au summum de ce qu'on peut considérer comme étant de la piété. De ce qu'on voit en apparence, voilà, nous accueillons Allah et Ahada. Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullahi alayh, il était au début de sa vie brigand, c'est-à-dire c'était un voleur, un bandit de grand chemin, comme on appelle ça. Il coupait les routes des gens, il les pillait, il volait ce qu'ils avaient et il s'en allait. L'histoire est un peu longue, mais. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de se repentir. Et il s'est repenti, c'est devenu un des plus grands savants
de cette communauté et un des plus grands pieux de cette communauté. Celui qui veut voir son histoire, qu'il retourne à des livres comme Sifat al-Safwad ibn al-Jawzi, dont une partie est traduite sous le nom de nos pieux prédécesseurs, je crois, le livre d'Ibn al-Jawzi. Il raconte cette histoire-là d'Al-Fudayl. Par rapport au libre arbitre, l'histoire de l'escalade de l'humeur. Allahu a'lam, c'est celle-là, Naam, où il. C'est celle-là la cause de son repentir. Naam, retourner à ce livre-là, nos plus prédécesseurs, elle est explicitée dedans l'histoire. Par rapport au libre arbitre, nous disions que la personne a une volonté qui est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que la volonté de la personne soit exaucée, eh bien elle sera exaucée. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que la volonté de la personne ne soit pas exaucée, alors elle ne sera pas exaucée. On a déjà évoqué ça amplement dans le hadith numéro 2, lorsqu'on a parlé du pilier du destin, la croyance au destin, et on a dit que la personne a une volonté, mais elle est sous la volonté d'Allah. Si je veux, comme je disais, arrêter ce périscope, si je veux éteindre mon téléphone, je peux le faire. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que ça se passe, eh bien mon téléphone va me glisser des mains, ou je vais être frappé par un coup de jus ou quelque chose qui va m'empêcher de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala est plus puissant que cela. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala veut que ça se passe, alors je le ferai. Tayyib, on va commencer, inshallah ta'ala, le cinquième hadith. Le hadith al-khamis. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري. Donc il dit, le cinquième hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une version, elle est rapportée par l'imam Muslim. Et elle est rapportée en commentaire par Al-Bukhari. On va expliquer ce que c'est ta'liq. Umm al-Mu'minin, Aisha, la mère des croyants. Aisha, son surnom c'était Umm Abdillah, la mère de Abdullah, alors que Aisha elle n'a jamais eu d'enfant. Donc ça nous prouve, c'est une fa'ida latifa, qui nous prouve qu'on peut prendre une kunya même si on n'a pas d'enfant. On peut prendre une kunya même si on n'a pas d'enfant. Et certains ulama sont allés, certains éléments considéraient que la kunya est une sunna. Wallahu a'lam, l'avis le plus juste dans cette histoire-là, c'est que la kunya n'est pas une sunna, mais la kunya est une habitude des Arabes. Et en tant que musulmans, il nous est demandé de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient Arabes. Et donc on se doit d'essayer de prendre un maximum des cultures des véritables Arabes de l'époque. On ne parle pas des Berbères, des Maghrébins, etc. On parle des véritables Arabes de l'époque. Leur culture et leur comportement, il nous est demandé d'essayer de leur ressembler. La kunya, c'est le surnom. Dire Ummu, un tel, pour une femme, ou Abu, un tel, pour un homme. Et c'était une chose qui était répandue chez eux. La preuve qui nous est demandé de suivre un maximum leur comportement, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Pourquoi est-ce qu'il a dit pour parfaire et qu'il n'a pas dit pour inventer les nobles comportements, ou pour légiférer les nobles comportements? Il a dit pour parfaire, parce qu'il y avait déjà des nobles comportements chez les Arabes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu les compléter, est venu les parfaire. Tayyib. Donc ça nous prouve qu'on se doit de puiser chez les Arabes. Et les Arabes avaient énormément de bons comportements, malgré le fait qu'ils étaient dans une période de jahiliya. Ils avaient du courage, ils avaient la notion de amana, la notion de dépôt, ils avaient la confiance. Ils étaient dignes de confiance, ils étaient valeureux et ils avaient l'honneur. L'honneur était tellement important chez les Arabes qu'il était plus important que leur vie. Les Arabes craignaient de salir leur honneur, ils ne craignaient pas de mourir. Al-Mutanabbi, qui est un grand poète de l'ère musulmane, il dit dans un vers de poésie « Aruhu fala arshal manaya wa attaqi, tadannusa irdin au dhamima fi'ali » Je ne crains pas la mort, mais je crains que mon honneur soit sali ou de faire un mauvais acte. Donc ils avaient ces valeurs-là, et parmi les valeurs qu'ils avaient, aussi simple que cela, le fait de s'appeler par une kunya, c'était quelque chose qui faisait partie de sunan al-arab, des sunan des arabes, et donc ce n'est pas obligatoire bien entendu, et ce n'est pas une sunna dans le sens religieux, mais c'est quelque chose que si la personne veut le faire, elle peut le faire.
Donc, Umm Abdillah, qui est Aïcha, elle rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu ta'ala anha, radiyallahu ta'ala anha wa anhu, qui est Aïcha bint Abi Bakr, Abdillah ibn Uthman, Abi Quhafa, ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Ça, c'est la généalogie de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et pourquoi est-ce que j'ai cité particulièrement sa généalogie? Parce que Aïcha radiallahu ta'ala anha, en tant que croyant, on doit lui laisser une place particulière dans nos cœurs. Aïcha, c'est une femme qui était très valeureuse et très vaillante, très intelligente, très pieuse, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, et qui était aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appréciait énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réservait une place particulière. Et c'était, en plus d'être une pieuse, une grande savante de cette communauté, et malheureusement, c'est une femme qui aujourd'hui, les ulama, ils essayent de salir, les mubtadi'a, les innovateurs, pardon, ils essayent de salir son honneur en essayant de l'insulter, etc. Et on doit se montrer encore plus aimant de cette femme qui est notre mère, qu'Allah Ta'ala l'agrée, ainsi que son père, ainsi que tous les compagnons. Et donc essayer de montrer un amour encore plus particulier pour combattre ces saletés d'innovateurs qui essayent d'imputer à notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha une réputation dont ils sont plus dignes. Une réputation de fornicateurs dont ils sont plus dignes. Ce sont eux véritablement les fornicateurs et ils sont plus dignes de tout ce qu'ils attribuent à cette noble femme que elle. Donc le hadith qu'elle rapporte, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd » Celui qui invente dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Et dans une version de Muslim, celui qui fait un acte que nous ne lui avons pas ordonné, ce sera un acte rejeté. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ce hadith, déjà, c'est une base pour renier et réfuter toutes les innovations dans la religion et toutes les désobéissances également. Donc ce hadith, non seulement il réfute les innovations, mais il réfute également toutes les désobéissances. Ce hadith, c'est une base pour juger tous les actes apparents. Il faut savoir que les actes, tout acte qui va être fait en islam, il a deux piliers. Le premier pilier, c'est le fait d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de ne faire cet acte-là que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te lèves pour prier, il faut que ta prière elle soit entièrement pour Allah. Si elle est pour autre qu'Allah, ta prière est invalide. Et en plus de cela, tu as commis du polythéisme, que ce soit mineur ou majeur, en fonction de la gravité. Donc l'acte que tu fais, tu dois le faire entièrement pour Allah. Et ça passe par tous les actes d'adoration. Ça passe aussi par la Umrah al-Hajj. Et malheureusement aujourd'hui, les gens, quand ils vont à Umrah al-Hajj, on se demande pour qui il fait la Umrah al-Hajj. Est-ce qu'il fait la Umrah al-Hajj pour Allah ou est-ce qu'il fait la Umrah al-Hajj pour Instagram, pour Snapchat, pour Twitter, pour montrer aux gens, pour dire « Masha'Allah, je suis pieux, regardez, j'ai fait le hajj, je fais une photo devant la Kaaba, un selfie. » Donc, le premier pilier de tous les actes, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier des actes, c'est la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il soit conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Fait qu'il soit conforme avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Ces deux piliers-là sont mentionnés dans le dernier verset de Sourate Al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dit, je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé. Que votre Seigneur est un Seigneur unique, celui donc qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. Comment est-ce qu'on sait si l'œuvre qu'on fait est bonne ou mauvaise? En regardant si elle est conforme ou pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce sera bon
comme acte. Ce sera un acte qui est bon. Et tout ce qui n'est pas conforme avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas été institué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce sera un acte qui sera mauvais. Donc les deux piliers des actes, pour que les actes soient acceptés, ce sont ces deux piliers-là. La sincérité et le suivi. La sincérité, al-ikhlas, et le suivi, al-mutaba'a. Et je les mettrai, inshallah ta'ala, dans le vocabulaire du hadith numéro 4. Du hadith numéro 5, pardon. Tayyib. Donc ici, ce hadith, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui invente dans notre affaire. Qu'est-ce que c'est notre affaire? C'est la religion, l'islam. Celui qui invente en islam une pratique, un rite, une adoration qui n'en fait pas partie, fa huwa rad. C'est une adoration qui se verra rejetée. Et dans la version de l'imam muslim, celui qui fait un acte que nous ne lui avons pas ordonné, ce sera un acte qui sera rejeté. Donc ici, ce hadith-là, il nous décrit ce que c'est l'innovation. Il nous explique ce que c'est l'innovation. En 5 points. Le premier point, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « man ahdatha », celui qui invente. Donc le premier point de la définition d'une innovation, c'est que c'est une invention dans la religion. C'est une invention dans la religion. Donc c'est une chose qui n'en faisait pas partie et qui a été inventée après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, de l'innovation, c'est que ça fait partie de la religion. Donc ce n'est pas une innovation, tout ce qui ne fait pas partie de la religion. Aujourd'hui, lorsque on va critiquer des innovations, eh bien, les gens vont nous répondre en disant, bah alors ne monte plus dans la voiture, monte à chameau, ne marche plus avec des chaussures, marche avec des sandales, etc., etc., tout ce qu'ils racontent. Parce qu'ils ne font pas la différence entre religion et entre mondanité ou vie profane. Ils ne font pas la différence entre la religion et entre le mondain. Tout ce qui concerne ce bas monde est ouvert. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au contraire à chercher la subsistance, nous invite à faire avancer les technologies, nous invite à réfléchir sur ce bas monde, à inventer de nouvelles choses dans le bas monde. Et au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que c'est lui qui nous facilite ces choses-là. C'est lui qui nous facilite ces choses-là pour qu'on invente les nouvelles technologies, etc. Mais la religion est trop sacrée pour qu'on y invente quoi que ce soit. La religion, c'est l'affaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dunya, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé la dominance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Puis nous avons fait des lieutenants sur terre afin d'observer vos actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوتٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا. Il dit, ce bas monde est verdoyant et mûr. Et Allah vous a fait lieutenant sur cette terre. Il vous a donné la dominance, il vous a donné la lieutenance sur cette terre et il observe vos actes. Donc cette dunya, on a la lieutenance sur terre, on peut faire ce qu'on veut. Mais le sacré, la religion, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La religion, elle est légiférée par Allah et elle appartient à Allah. Taïb, donc la bid'a, le deuxième point, c'est qu'elle concerne la religion. Et tous ces cinq points-là, ils sont très importants à comprendre pour ne pas justement tomber dans les deux extrêmes à cette question-là, dans cette question-là qu'on va mentionner. Il y a un extrême qui est l'extrême, donc forcément, de l'exagération, qui va considérer tout et n'importe quoi comme étant une bid'a. Il y a l'extrême, le deuxième extrême, qui est l'extrême du laxisme, qui va considérer qu'il n'y a aucune bid'a dans la religion. C'est-à-dire que tout ce que tu peux inventer, eh bien, ce sera bien. Ces deux extrêmes-là sont à blâmer. Comme on dit toujours, l'islam, c'est une religion de juste milieu. Et tout a été géré selon la pleine mesure par Allah subhanahu wa ta'ala, tout a été géré selon le juste milieu. Donc le troisième point de l'innovation, c'est que l'innovation, elle ne fait pas partie de la religion. Man ahdatha fi amrina, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui invente, premièrement, invention. Deuxièmement, dans notre religion. Troisièmement, ma laysa minha, ce qui n'en fait pas partie. Donc ça ne fait pas partie de la religion. Ça ne revient pas au fondement de la religion et à ses buts. Et ça ne peut pas être bâti sur les règles de la religion. Il faut savoir que l'islam, ça a des grandes règles. C'est une religion qui a des grandes règles, des grands fondements. Et quand une adoration ne répond pas à ces fondements-là et ces règles-là, qui ont été inventées, eh bien, c'est une innovation. Le quatrième point, c'est que c'est une adoration par laquelle on va vouloir
se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Forcément, c'est une adoration, c'est un rite par lequel on voudra adorer Allah, par lequel on voudra se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cinquième point, c'est que c'est un rite qu'on va considérer comme tel, c'est-à-dire qu'on va s'imposer. On va considérer que c'est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On va considérer que c'est un rite pour, premièrement, comme on a dit, une adoration. Et deuxièmement, on va se l'imposer comme si c'était une chose qui nous avait été prescrite dans la religion. Ce qu'on peut rappeler en arabe, l'iltizam. C'est-à-dire qu'on va se l'imposer, entre guillemets, comme si c'était religieux. Donc ces cinq points-là, ils nous ramènent à une définition qu'on peut tirer. Ça, c'est la définition que ceux qui notent le cours, vous pouvez la noter. Bien sûr, c'est bien de noter les cinq points, mais ça, c'est le résumé. C'est ihdathun fid-din, c'est une invention dans la religion. Une invention dans la religion qui concerne un rite qui n'en fait pas partie à la base. Qui concerne un rite qui n'en fait pas partie à la base, donc qui ne fait pas partie de la religion, par lequel on souhaite adorer Allah. Par lequel on souhaite adorer Allah. Donc c'est important ça aussi de ramener cette condition-là, de dire que c'est un rite par lequel on souhaite adorer Allah. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vont te dire, oui mais alors on n'utilise pas le micro. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'utilisait pas le micro dans sa salat. Ou alors ils vont te dire, oui mais alors on ne rassemble pas le mushaf parce que le mushaf n'était pas rassemblé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre que c'est des gens qui n'ont pas d'usul. C'est des gens qui n'ont pas de fondement dans leur religion, qui n'ont pas appris leur religion. Parce que s'ils avaient appris leur religion et s'ils avaient méditer sur ces hadiths-là, ils auraient tout compris. Ces cinq points-là qu'on vient de citer, c'est les cinq points qui sont tirés mot pour mot des hadiths, du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de lire. Et donc ces gens-là, ils n'ont pas compris que la bid'a en soi, et ça vous pouvez revenir pour les plus avancés à ce que Ash-Shatibi il évoque dans l'I'tisam et d'autres érudits de sa trempe. Qui disent que la bid'a, c'est un rite par lequel on souhaite adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le micro, quand on le met, personne ne va dire j'adore Allah en récitant dans le micro. Tout le monde va dire c'est une wasila. C'est un moyen par lequel on fait écouter aux gens la récitation. Personne ne va dire j'adore Allah par le micro. Pareil pour Jam' al-Mus'haf. Pareil pour le fait de rassembler le Mus'haf en un seul et même livre. Même si ce n'était pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une wasila, et ça a été fait par les compagnons, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à suivre la sunna des califes bien guidés après lui. Mais l'hasl, c'est un but, et ce n'est pas une adoration en soi, ce n'est pas un rite. Tayyib, donc ces cinq points-là nous définissent ce qu'est al-bid'a. Donc la bid'a, c'est toute invention dans la religion d'un rite par lequel on cherche à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que on se mette cela en tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous est venu avec une législation. Et on se doit de ne pas dépasser cette législation-là pour aller vers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas institué. On se doit de ne pas dépasser cette législation-là pour aller vers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas institué. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion complète. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. » Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. J'ai parachevé pour vous votre religion, ça veut dire la religion elle est complète. Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il a révélé ce verset, il a annoncé que la religion était complète. Et il y a certains juifs qui ont dit à l'époque où ce verset-là a été révélé, ils ont dit à Omar ibn al-Khattab, votre Seigneur vous a révélé un verset. Ils ont dit, votre Seigneur vous a révélé un verset que s'il avait été révélé à nous les Juifs, on aurait pris le jour de sa révélation comme jour de fête. Et Omar al-Khattab a dit, quel verset? Et ils ont mentionné ce verset-là. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Parce que c'est un tellement.
C'est un bienfait tellement immense d'avoir la religion complète donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir une religion complète, c'est un bienfait qui est immense. Les juifs, ils sont... Pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Dans ce athar qui est rapporté, parce qu'ils sont en attente. Ils ont toujours un manque dans leur religion, ils sont en attente de ce Messie-là qu'ils attendent. Leur législation pour eux n'est pas complète. Alors que nous, nous avons l'esprit totalement tranquille. Et nous savons que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, il nous l'a explicité. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, il n'y a certainement pas à philosopher et à chercher plus loin. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous ce qu'il nous a explicité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique qui est rapporté, si ma mémoire ne me fait pas défaut, par Tabarani, j'ai un doute, est-ce qu'il est chez le hakim ou pas, Allahu alam. En tout cas, le hadith est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un chemin qui mène vers le bien sans que je ne vous l'aie mentionné, sans que je ne vous l'aie montré. Et il n'y a pas un chemin qui mène vers le mal sans que je ne vous ai mis en garde contre ce chemin-là. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout mentionné. Le prophète alayhi sallam, il nous a absolument tout mentionné. Tout chemin qui mène vers le bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Et tout chemin qui pousse vers le mal, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a mis en garde. Et un des compagnons, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé dans un tel état qu'il n'y avait pas un oiseau qui volait dans le ciel sans qu'il nous ait informé d'une science à propos de cet oiseau-là. Donc ce compagnon-là, qui est Anas ibn Malik, pareil si ma mémoire ne me fait pas défaut, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à propos de toute chose, à tel point que même si un oiseau volait dans le ciel, eh bien on aurait une science de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cet oiseau-là. Toute chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à propos de toute chose, absolument tout. Même s'il y avait un oiseau qui volait dans le ciel, eh bien on aurait eu une information à propos du prophète, venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cet oiseau-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui inventent des choses dans la religion. Les mouchrikoun inventaient des choses dans la religion. Ils ont inventé énormément d'adorations, ils ont inventé, ils prient, par exemple, ils tournaient autour de la Kaaba en étant nus. Lorsqu'ils faisaient des adorations autour de la Kaaba en applaudissant et en sifflant, et ils considéraient que c'était une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasdiyah. Fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun. Leur prière à la maison sacrée n'était que applaudissements et sifflements. Ils pensaient que c'était une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a blâmés pour cela. Il les a blâmés aussi pour toutes les inventions qu'ils ont faites dans l'adoration, dans la religion. Ils disaient, ceci est interdit à nos mâles, ceci est interdit à nos femelles. Ils interdisaient des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait rendues autorisées. Ils autorisaient des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait rendues interdites. Ils changeaient les mois de l'année pour que les mois sacrés, lorsqu'ils voulaient combattre pendant les mois sacrés, parce que les mois sacrés, on a l'interdiction de combattre durant ces mois-là, sauf en cas d'extrême nécessité, eh bien eux, ils changeaient ces mois sacrés-là, ils les décalaient, et après ils les remplaçaient l'année d'après. Et ils pouvaient considérer que ça faisait partie de leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a vivement blâmés pour cela, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne dites pas, parce que vos langues prétendent comme mensonge à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est halal et ceci est haram. Ils inventaient leur religion ainsi. Donc là, le fait d'innover dans la religion, ça a été lourdement blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il introduisait chacun de ses sermons, chacun de ses sermons. Il a même enseigné par une parole, il a même enseigné cette parole-là en introduction du sermon qu'on dit lorsqu'on marie deux personnes. C'est-à-dire, dans chacun de ses sermons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette parole-là. Il l'a même enseignée au moment où on marie deux personnes, qui est le sermon où il dit « Inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh »« La louange est à Allah, nous le louons, nous lui demandons l'aide et nous lui demandons le pardon, etc. etc. » Ce que vous entendez pratiquement à tous les débuts de vendredi. Et dans ces paroles-là, il y a « Inna ma ba'du fa inna asdaqa al-hadithi kalam Allah »
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار en fonction des versions. Il disait toute innovation est toute chose nouvelle est innovation et toute innovation كل محدثة بدعة toute chose nouvelle est une innovation toute innovation mène à l'égarement et tout égarement mène au feu. Donc c'est un sens qui est impératif de comprendre. Il faut se dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné, il suffit. Et on dit à toutes les personnes qui souhaitent innover, qui souhaitent faire plus que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, nous leur disons, contentez-vous déjà de la sunna. Appliquez déjà la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voulez jeûner, jeûnez le lundi et le jeudi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Celui qui veut plus, il jeûne un jour sur deux. Priez la nuit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Hein, prier le tiers, dormez, prier encore le sixième, etc. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Faites vos salawat obligatoires à l'heure. Et en jama'a si possible. Liez vos liens de parenté, donnez les sadaqat. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Faites toutes les rawatib dans la journée. Faites toutes les prières surrogatoires après chaque prière. Faites le duha comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. En maximum de raka'at, etc., etc., etc. Et vous allez voir que si vous avez encore un moment ou un espace de libre pour faire une innovation, bien c'est vraiment que vous êtes les pieux des pieux. Et c'est impossible. Toute personne qui prend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle est venue, eh bien elle ne trouvera pas d'espace ou de moment libre pour rajouter une innovation. C'est impossible. Parce que déjà, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait, si on arrive à en faire le... Allez, pour être gentil, le dixième, eh bien, c'est déjà très bien. C'est déjà excellent. Si on arrive à faire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, on arrive à en faire le dixième, eh bien, c'est déjà suffisant et on sera éreinté à la fin de la journée. Donc, pour celui qui veut rajouter des choses, nous lui disons, contente-toi déjà de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et après, on verra s'il te reste un peu d'espace pour rajouter quelque chose de nouveau. Donc il faut absolument comprendre cette définition. Ce qui va retirer de ce hadith là, ce qu'on va retirer de ce hadith là, ça tourne autour de la définition qu'on a mentionnée. Donc là, on a parlé de l'extrême du laxisme, des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas d'innovation dans la religion. On a mentionné les preuves qui montrent qu'effectivement, il y a innovation dans la religion. Maintenant, il faut comprendre ce qu'est vraiment l'innovation. Comme on a dit, c'est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été légiférée. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ces critères-là, ça ne fait pas partie de l'innovation. Comme par exemple, un sujet qui revient souvent, Salat al-Tarawih, la prière de Tarawih. Des personnes vont prétendre que c'est une innovation en se basant sur la parole de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, en disant que Omar ibn Khattab a dit « Ni'matul bid'ati havihi ». Il dit « Quelle bonne innovation que cela !» Lorsqu'il a rassemblé les gens pour prier Salat al-Tarawih, derrière un seul imam, qui est Ubay ibn Ka'b, ils vont dire que Omar ibn Khattab a dit c'est une bonne innovation que cela. Ils vont dire bah regardez, Omar ibn Khattab le qualifie Salat al-Tarawih d'innovation. Disons, on avait mentionné dans la définition que lorsqu'on a parlé de Bima alayhi samina, c'est-à-dire une chose qui ne fait pas partie de la religion, on a dit qui ne revient pas à ses fondements ou à ses principes et qui ne rentre pas sous ses règles générales. Salat al-Tarawih, elle rentre dans les principes et dans les fondements de la religion, de la manière dont Omar al-Khattab l'a légiféré. Premièrement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même priait salat al-Tarawih au début de Ramadan. En Ramadan, il a prié la première nuit avec un groupe de personnes. Et ensuite, le deuxième Ramadan, un groupe plus important. Troisième Ramadan, un autre groupe. La première nuit, il a prié avec un groupe de personnes. La deuxième nuit de Ramadan, il a prié avec un groupe un peu plus important. La troisième nuit de Ramadan, il a prié avec un groupe encore plus important. Et la quatrième nuit, une grande masse des compagnons se sont rassemblés devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti dans la mosquée. Il n'est pas sorti vers la mosquée. Et les compagnons ont commencé à l'attendre, jusqu'à qu'ils soient impatientés. Ils ont commencé à jeter des pierres sur la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, a ouvert la porte et a dit, je ne suis pas sorti par miséricorde pour vous parce que j'ai eu peur que cette prière-là vous soit rendue obligatoire.
J'ai crainte que cette prière-là de Tarawih devienne obligatoire pour vous. Parce que la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec continuité, eh bien on pourrait considérer après lui que ce soit une chose obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait, par miséricorde pour sa communauté, que ça reste quelque chose de large. C'est-à-dire que si la personne elle peut le faire, elle le fait. Si la personne elle ne peut pas, elle ne peut pas. Comme les personnes qui travaillent pendant le Ramadan, si elle peut prier quelques rak'at, elle le fait. Si elle ne peut pas, qaddar Allah ma sha'a. Ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'à son époque, à l'époque d'Abu Bakr, Abu Bakr était occupé par les guerres, par les batailles, surtout avec le nombre de gens qui ont apostasié, qui ont refusé de payer la zakat. Abu Bakr, durant ses 2 années et quelques de règne, Abu Bakr, son califat, il a duré 2 ans et demi. Durant ces 2 années et quelques de règne, il n'avait pas eu le temps de s'occuper des sujets ou des dossiers intrinsèques à la communauté. Il était trop occupé avec la politique extérieure, avec le fait de combattre les apostats, combattre les personnes qui refusaient de payer la zakat. Et donc, les Ramadans qui sont passés sous le califat d'Abu Bakr, les gens priaient éparpillés, chacun dans son coin. Certaines fois, on voyait une personne qui priait de son côté, d'autres fois, 2 personnes qui priaient ensemble, d'autres fois, 10 personnes qui priaient dans un coin. Et lorsque Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, a vu ça à son époque, eh bien, il a dit, si seulement les gens se rassemblaient derrière une personne. Et ça fait partie de maqasid al-sharia. Donc ça revient à notre deuxième point de la réponse, c'est que ça revient à une base et à un fondement de la religion. Ce qu'on appelle maqasid al-sharia, les fondements, les règles générales de la religion, qui est le fait de rassembler. Al-islam appelle, une finalité, barakallahu fik, une finalité de la religion. Al-islam a pour finalité de rassembler la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et attachez-vous tous, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc l'islam a pour finalité de rassembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, inna Allah yuhibbu lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Allah aime pour vous 3 choses et il déteste pour vous 3 choses. Il a évoqué parmi les 3 choses qu'Allah aime pour nous, le fait qu'on l'adore sans lui associer. Et que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah sans vous diviser. Et que vous obéissiez à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a désigné comme gouverneur. Et dans les 3 choses qu'il a mentionnées qu'il déteste pour nous, il a dit « وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. Il déteste pour vous les ragots et les potins, le fait de poser trop de questions et le fait de gaspiller l'argent. Donc parmi les choses qu'il a mentionnées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah aime pour nous, le fait qu'on se cramponne tous au câble d'Allah et qu'on ne se divise pas. Donc Omar ibn Khattab, lorsqu'il a vu les gens prier chacun dans son coin, eh bien il s'est souvenu de ce fondement-là dans la religion. Il a dit, si seulement les gens se rassemblaient derrière une seule et même personne, il a rassemblé les gens derrière Ubay ibn Ka'ab, qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un des plus grands lecteurs, qui avait une grande connaissance du livre d'Allah. Donc ça fait partie, ça revient au fondement de la religion. Ça revient au fondement de la religion. Donc cette définition-là, elle doit être maîtrisée. Également, il y a des choses qui sont considérées comme innovations, qui n'en font pas partie à notre époque. Des choses qui ne... C'est une mauvaise compréhension que de les associer à l'innovation. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, c'est un exemple d'illustration, ce n'est pas un exemple qui va être une règle en soi, mais c'est juste pour illustrer mon propos. As-Subha ou Al-Misbaha, le chapelet. Le chapelet, c'est une question qui a fait énormément de divergences. Et pour toutes les personnes qui vont discutailler, débattre, on connaît les avis des ulama, qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde, qui sont contre cette pratique-là. Mais il faut savoir que la majorité des ulémas, et même les ulémas parmi les hanabilas de notre époque, Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymin, Cheikh Salih al-Fouzan, Cheikh Ibn Baz, même les ulémas des hanabilas de notre époque, disent ce qu'on va dire, c'est que ce chapelet-là, ce n'est pas un moyen d'adorer. Ce n'est pas un moyen en soi d'adorer, ce n'est pas un rite pour faire l'adoration.
Donc ça ne rentre même pas dans la définition de la bid'a. La personne qui fait tasbih avec le chapelet, elle ne dit pas j'adore Allah à travers le chapelet. C'est juste une wasila, c'est un but par lequel elle compte son tasbih. Et comme il dit Cheikh Ibn Athaymin dans une de ses fatawas, il dit des fois, yani quand il y a beaucoup, beaucoup de dhikr, la personne elle oublie. Par exemple, une personne qui veut dire 1000 fois subhanallah. Il y a certains adhkars où on arrive facilement au nombre de 1000. Il y a un parmi les adhkars du matin et du soir, on doit répéter 100 fois subhanallah, 100 fois alhamdulillah, 100 fois Allahu Akbar, 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamd wa ala kulli shay'in qadir. Et ça, au bout de 20 ou 30 fois avec tes doigts, tu te perds. Tu ne te souviens plus de combien tu as évoqué, etc. Donc, ça ne rentre pas dans al-bid'a, ça ne rentre pas dans l'évocation, dans l'innovation, pardon. Et comme le frère a mentionné au message, il y a énormément de ulama anciens comme contemporains qui considéraient cela comme, non pas une innovation, mais une chose permise. Et les rapporter même dans des athars, certains sont authentiques, que Abu Huraira avait une corde à 1000 nœuds avec laquelle il faisait dhikr. Et ça reste des athars qui sont peut-être contestés par certains ulémas, mais certains autres les considèrent authentiques. Ibn Taymiyyah parle de ce sujet-là, et comme le frère a mentionné, Suyuti et bien d'autres. Donc ça reste un sujet sur lequel énormément de personnes font de l'exagération. Wallah el-Azim, j'ai déjà assisté à une scène dans une mosquée dans mon pays, en Tunisie, où certains jeunes qui étaient un peu chauds sur ce sujet, ils ramassaient toutes les misbahas de la mosquée, ils les jetaient. Déjà, aslan, de base, ce n'est pas ton droit, ce n'est pas ta possession, tu n'as pas le droit de faire cela. Quand bien même tu considérais que c'est un mal, c'est comme si tu cassais les murs, ou tu cassais le naqsh, les calligraphies sur le mur, parce que tu considérais que c'est quelque chose de haram, parce qu'il est rapporté des athars dans lesquels il est mentionné qu'il est interdit d'embellir les mosquées à outrance. Et donc tu n'as pas le droit de faire cela, ce n'est pas ta possession, quand bien même tu considérais que c'est un acte blâmable. Alors en plus du fait qu'il y a divergence, et en plus du fait que l'avis majoritaire, c'est que c'est totalement permis. Donc le masbaha, c'est les chapelets. J'ai mentionné, jazakallah khairan, j'ai déjà dit que Cheikh Al-Albani, on connaît son avis, wallahu a'lam. Quand je dis on, bien sûr, c'est les ulama, je n'ai aucune connaissance personnellement, mais par rapport aux ulama, ils connaissent son avis. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayh, il a certains avis qui sont corrects et bons. Il a certains avis où il reconnaît lui-même avoir fait des erreurs et il est revenu dessus. Il a certains avis où il a fait des erreurs. Et il n'y a pas de mal à dire que tel alim a fait une erreur ou tel alim a eu un propos qui n'était pas correct. Et sur cette question-là, wallahu a'lam, on dit que les ulémas, bien sûr, ils disent que quand on revient à la définition de la bid'a, eh bien, on constate que ces paroles-là sont exagérées, parce que ça ne fait pas partie de la bid'a. Et on pourrait mentionner des dizaines et des dizaines de sujets. Ce n'est pas le moment opportun pour s'étaler dans les détails et s'étaler dans les exemples, mais c'était juste pour illustrer ces sujets-là par rapport auxquels beaucoup de jeunes font preuve d'extrémisme et d'exagération. À notre époque, on a une époque où il n'y a plus de tolérance religieuse de la divergence. On ne parle pas de tolérer le blâmable, on parle de tolérer la divergence. On parle de tolérer les avis des érudits. Les ulama évoquent des avis. Les ulama évoquent des avis et ont des ijtihadat, ont des efforts de compréhension. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qui vont essayer yani comme s'ils étaient meilleurs que ces ulama, essayer de transcender ces avis-là et imposer une seule manière de voir les choses. Et ça, c'est un égarement, wallahu a'lam. C'est un égarement manifeste, certain. Essayer de transcender tous ces avis-là et d'imposer une seule vision des choses comme étant cela la sunna, et le reste c'est la bid'a. Cela la voie authentique, et le reste c'est l'égarement. Wallah al-Azim, une personne qui commence à étudier, qui commence à vraiment se plonger dans la véritable science, pas les liens internet, pas les vidéos YouTube, la véritable science, chez les ulama, genou contre genou, et qui commence à regarder les livres de fiqh, qui commence à regarder les livres de hadith, eh bien elle verra avec évidence à quel point
leur compréhension était large et était vaste. Et à quel point c'est une idiotie sans nom d'essayer de restreindre la communauté sur une seule voie et de prétendre que c'est cela la sunna. Aujourd'hui, les gens ont gardé une partie des ulama qu'ils se sont appropriés et ils n'acceptent la divergence qu'il y a que entre ces ulama-là, qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde et les préserve, qui sont des ulama de la communauté, et ça, bien entendu, on ne le nie pas. Mais on dit que ces gens-là, ils ne considèrent que les divergences qui sont entre ces ulama-là. Les divergences qui sont entre les quatre écoles reconnues, ou même les quatre écoles reconnues en elles-mêmes, eh bien, ils ne considèrent pas ces quatre écoles-là, ils considèrent cela comme étant de la bid'a, comme étant de l'innovation. Et ça, c'est un égarement manifeste, bien entendu. Parce que ces 12 siècles-là, depuis que les madhahib, depuis que les écoles se sont formées, et où il y a eu toutes ces divergences, où il y a eu tous ces débats entre tous les juristes et tous les savants, etc., et tu arrives, toi, 12 siècles, 13 siècles après, tu dis non, c'est cela la sunna et tout ce qui est contraire à cela, c'est la bid'a. Donc il faut qu'on revienne à une compréhension authentique et claire de ce qui est la bid'a et de ce qui est la sunna, et qu'on arrête avec ces extrémistes, ces extrêmes-là qui nous gâchent notre pratique religieuse, que ce soit l'extrême de l'exagération ou l'extrême du laxisme. Naam, il y a des innovations dans la religion, il est très important de prendre garde aux innovations. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il mentionnait à chaque discours que l'innovation mène au feu, eh bien c'est que c'est quelque chose d'important et de grave. Mais on ne doit pas derrière faire preuve de zèle et d'exagération en considérant toute chose qui ne nous plaît pas, toute chose avec laquelle on n'est pas d'accord, toute chose qui n'est pas de notre point de vue comme étant une innovation et un égarement. Et on doit revenir à cette sagesse-là scientifique et à cette honnêteté intellectuelle qui veut que l'on étudie avant de qualifier une chose comme étant une innovation. Wallah il azim, on va terminer avec cela. Que ce soit, on pourrait citer, yani, personnellement je pourrais citer des anecdotes personnelles, chacun pourrait citer, chaque personne qui a un minimum dans talab al-ilm pourrait citer des anecdotes personnelles à n'en pas finir, et on pourrait en faire des conférences et des conférences, à quel point la personne, lorsqu'elle commence à étudier la science, eh bien elle se rend compte à quel point, lorsqu'elle n'avait pas la science, eh bien, elle avait des postulats qui étaient faux, elle considérait des choses comme étant des innovations alors que c'était des sunan. Wallah il azim. Il y a énormément de choses, et que ce soit personnellement, je le redis, ou des toulab avec qui j'ai pu discuter, ou des toulab qu'on a entendus, ou qui ont partagé leur vécu, énormément de choses, on les considérait comme des bid'a. Ça veut dire qu'c'était des pratiques sur lesquelles on trouvait notre famille, ou sur lesquelles on trouvait les anciens, ou des gens de la mosquée, et on disait non, ça ne fait pas, c'est une bid'a. Et après, walillahilhamd, en étudiant un peu, en regardant les hadiths, etc., on trouve que, oh, subhanallah, il y a un hadith authentique à ce sujet-là. Ou alors c'est mentionné par tel alim qui est reconnu. Et là, on se trouve bête, wallahi, on se trouve très bête. Parce qu'on se rend compte à quel point notre ignorance, elle nous a fait nous approprier la religion. L'ignorance, elle fait que la personne, elle s'approprie la religion. Comme si les fondements de la religion, c'était elle qui les avait placés. Comme si les textes religieux, c'était sous son contrôle à elle. Et on n'a plus de tolérance religieuse. Quand on est ignorant, on n'a plus de tolérance religieuse parce que la première étape de l'étude de la science, comme les ulama, ils disent, la science religieuse, elle s'apprend selon trois étapes, selon trois chibres, trois empans. La première étape, c'est l'étape de l'orgueil. La deuxième étape, c'est l'étape de la modestie. Et la troisième étape, c'est l'étape de l'ignorance. La première étape, c'est l'étape de l'orgueil, parce que la personne, lorsqu'elle vient de commencer à étudier la science, eh bien ça y est, elle pense que c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Elle pense qu'elle connaît tout. Elle a la réponse à tout. Elle passe son temps sur les réseaux sociaux à débattre avec les gens, à imposer sa manière de voir, à faire des copier-coller de 3 pages pour dire non, c'est comme ça, et toi, si tu n'es pas d'accord avec moi, eh bien tu es un égaré, etc., etc. Ça, c'est la première étape. L'étape de l'orgueil. Et malheureusement, cette étape-là, elle fait énormément de mal, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de respect envers l'ilm. Avant, les gens qui s'intéressaient au ilm et qui parlaient au nom de la science étaient une minorité qui était faite pour cela. C'était des gens qui se consacraient à cela. C'était des gens qui restaient avec les ulama. C'était des gens qui étaient 24 heures sur 24 dans leur école pour apprendre. Aujourd'hui, les gens qui parlent au nom de la science, c'est des gens qui ont regardé, comme je disais tout à l'heure, deux ou trois vidéos sur YouTube, qui ont écouté deux ou trois fatwas, qui touchent un peu en arabe, qui ont lu deux ou trois liens, et ils se permettent de parler selon l'ilm et d'interdire et d'ordonner, etc. Donc la première étape, c'est l'orgueil. La deuxième étape, c'est la modestie.
Qu'est-ce que c'est cette étape-là de la modestie? C'est le fait que la personne, lorsqu'elle rentre dans la science, qu'elle continue un peu, elle dépasse cette étape-là de l'orgueil, eh bien, elle devient modeste parce qu'elle sait que c'est obligatoire, mais elle pense à l'intérieur d'elle qu'elle est savante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore totalement arrivée. Elle pense à l'intérieur, au plus profond d'elle qu'elle est savante, qu'elle connaît, mais elle va montrer une apparence modeste parce qu'elle sait que celui qui apprend la science, il doit être modeste, etc., etc. Donc dans sa tête, il va se considérer comme un talib ilm ou comme un alim, mais il va essayer de garder une apparence modeste. Ça, c'est la deuxième étape de la science. Et la troisième étape, lorsqu'on rentre véritablement dans la science et qu'on étudie véritablement la science, là, on se rend compte qu'en fait, en vérité, on ne connaît rien. Mais vraiment, on ne connaît rien. On ne connaît strictement rien. Vous vous imaginez, et bien là, on va clôturer avec cela le propos. C'est la troisième fois que je dis ça, mais le sujet est long et j'essaye de résumer un maximum possible. Mais c'est un sujet qui est gravissime et qui est une énorme plaie. Qui est une énorme plaie pour notre communauté et qui est la cause d'une grande partie de la destruction de cette communauté-là. Je disais, par rapport à la troisième étape, au troisième shibr de la science, le fait qu'on se considère totalement comme ignorant, dans le hadith qui est mentionné dans Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte la rencontre entre Al-Khidr et entre Moussa, alayhi salam. Lorsque Moussa est allé apprendre auprès d'Al-Khidr, et l'histoire est en partie racontée dans Sourate Al-Kahf, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'à un moment, Al-Khidr et Moussa, lorsqu'ils étaient sur le bateau, ils ont vu un oiseau se poser à la surface de l'eau, yani, bien sûr se poser, vous comprenez ce que je veux dire, il survolait la surface de l'eau. Il a picoré un peu. Il a picoré une goutte dans l'eau, il est parti. Et le Khadr a dit, est-ce que tu vois cette goutte-là que l'oiseau a extraite de l'océan? La science de toute l'humanité, par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, est aussi infime que cette goutte-là par rapport à l'océan. Donc comment est-ce qu'après cela, une personne peut oser prétendre avoir le monopole de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la capacité d'imposer une manière de voir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'occulter toute divergence possible et d'occulter toute compréhension possible qui serait basée sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui serait un différent point de vue. Et la divergence a toujours existé dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les compagnons et jusqu'à notre époque. Et les quatre écoles juridiques de Ahl Sunna wal Jama'a sont des écoles qui sont reconnues à l'unanimité et n'ont contredit les écoles qu'une minorité marginale qui ne vaut rien devant le poids de la communauté. Donc on va clôturer inshallah ta'ala notre propos avec cela. J'espère que cette notion-là, ibn ta'ala, de c'est shibr avec un ba. J'espère que cette notion-là d'indulgence et de tolérance dans la sunna, dans les divergences reconnues dans la sunna, sera comprise. Et j'espère également que la notion d'innovation sera comprise. J'ai une dernière question, et on va clôturer. Une dernière question pour vous. Dans le premier hadith que vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minha » Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie. Et dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man amila amala laysa alayhi amruna » Celui qui fait une chose que nous ne lui avons pas ordonnée, son acte sera rejeté. Qui peut me dire la différence qu'il y a entre les deux récits? Réfléchissez, à vous de faire travailler votre matière grise. Il nous reste juste un peu de temps. Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui invente une chose dans cette religion qui n'en fait pas partie. Et dans le deuxième hadith, il dit, celui qui fait un acte que nous ne lui avons pas ordonné, et à la fin de chaque hadith, il dit son acte sera rejeté. Pas vraiment. Pas vraiment, non. Les deux, c'est innovation. Bid'a et innovation, c'est des synonymes. Dans l'un, la personne est un auteur, dans l'autre, presque. Ça adopte presque. Le premier est auteur de la bid'a, ramené à accomplir. Non, Mohamed, toi, normalement, tu réponds pas. C'est de la triche, sinon. Non, Mohamed.
Miloz, c'est la bonne réponse. Le premier hadith, la première version du hadith, elle concerne la personne qui invente une chose nouvelle dans la religion. Donc c'est lui le premier à avoir inventé, à avoir institué cette chose-là nouvelle dans la religion. Et le deuxième hadith, il concerne celui qui fait une chose qui n'a pas été légiférée. Donc soit il suit la personne qui a inventé, et à ce moment-là, le premier hadith, il concerne, pardon, la personne qui invente, et le deuxième hadith, il concerne le suiveur. Donc le premier hadith, il concerne celui qui est suivi. Deuxième hadith, il concerne le suiveur. Soit le deuxième hadith aussi, il peut être interprété comme étant tout acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné. Tout acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, n'a pas incité à accomplir, comme les désobéissances. Ça concerne aussi bien les innovations que les désobéissances. Lorsqu'une personne elle fait une désobéissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné. Ou lorsqu'elle fait une manière, une adoration qui a été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il le fait de la mauvaise manière, eh bien ce n'est pas légiféré. Par exemple, la personne qui fait une salat et qui rajoute une raka'a, eh bien sa salat-là, elle sera annulée, elle sera invalide, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas légiféré ainsi. Ou ne l'a pas transmis ainsi du moins. Ou la personne, par exemple, qui fait une salat sans faire les ablutions. Ou bien son acte, il sera rejeté. Et parfois, ce rajout-là dans l'adoration, il peut annuler l'œuvre en entier, comme la personne qui fait une raka'a de plus dans la salat. Alors que la personne, elle va dire, oui, mais moi, dans la raka'a que je fais en plus, je récite le Coran, j'invoque Allah, je fais des invocations. Mais parce que tu as désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu as fait une chose qu'il n'a pas légiférée, eh bien à ce moment-là, c'est un acte qui sera rejeté dans son ensemble. Quand on dit qu'il n'a pas légiféré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de législation en soi, mais ça veut dire qu'il n'a pas transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines fois, l'ajout dans l'acte, il va être refusé en lui-même et la base de l'acte va être accomplie et correcte, comme la personne qui fait les ablutions, par exemple, en lavant chaque membre 4 fois, ou la personne qui jeûne la nuit avec le jour. Bien, ce rajout-là, il n'est pas légiféré, la base de l'acte elle est acceptée, mais le rajout il est rejeté. Donc la première partie du hadith, lorsqu'il dit « Man ahdatha fi amrina hadha », celui qui invoque dans notre affaire, ou alors « Man amila amalan laysa alayhi amruna », celui qui fait un acte que nous lui avons pardonné, cette première partie-là du hadith, elle concerne le jugement de l'acte en lui-même. Et la deuxième partie du hadith, la première partie du hadith, elle concerne la définition de l'acte. C'est-à-dire que c'est un acte qui n'a pas été légiféré. Et la deuxième partie du hadith, fahuwa, il est rejeté. Elle considère ou elle concerne le jugement de l'acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet acte-là, il n'est pas accepté, il est refusé, il est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui le fait, elle se voit blâmée de cet acte-là qu'elle a inventé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam selon la compréhension des illustres imams de notre communauté et selon leur héritage scientifique et selon leur patrimoine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être conforme à la voie d'Ahl sunna wal jama'a dans nos croyances, dans nos paroles et dans nos actes. Alors Allah ta'ala a'la wa a'lam wa salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka rabbika bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Est-ce qu'il y a une question, une imprécision, quelque chose? Allahumma amin. Amin. Barakallah fi. Toi aussi, Akhi Mohamed. Le dua pour nous tous, inshallah. Taïb, s'il n'y a pas de questions ou précisions, je vais arrêter, inshallah, l'assise. Jazakumullah khaira. Comment comprendre le hadith? C'est un hadith avec une bonne tradition. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man sanna sunnatan hasana, man sanna fil islam sunnatan hasana. Celui qui amène en islam une bonne tradition, ce hadith-là, il concerne les traditions qui sont déjà établies dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont revivifiées par la personne. Preuve en est le contexte du hadith. Le contexte du hadith, c'est que c'est pendant la bataille de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les compagnons à faire une sadaqa, à donner de leur argent, et personne ne s'est levé jusqu'à ce qu'un des compagnons s'est levé
et a donné de son argent, et là tous les autres compagnons l'ont suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là dit: Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Celui qui institue dans l'islam une bonne tradition aura sa récompense, et la récompense de tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour de la résurrection. Donc nous disons cette sunnah hasana que la personne va instituer, c'est quelque chose qui est déjà dans la religion, mais que la personne va refaire vivre, va revivifier. Par exemple, une personne qui arrive dans un village où il n'y a pas d'école de Coran, et il bâtit une école de Coran. C'est déjà quelque chose qui est dans la religion, mais il bâtit une école de Coran, et cette école-là de Coran, eh bien, les gens commencent à étudier, et les gens du village, les enfants du village, lorsqu'ils voient leurs camarades aller étudier à l'école de Coran, eh bien, ils les suivent, et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à que ça devienne une tradition que tout le monde suit, eh bien, c'est la personne qui aura construit la première école qui va être à l'origine de cette tradition-là qui aura été instituée, donc il y aura la récompense de tous ceux qui l'auront pratiquée jusqu'au jour de la résurrection. Une personne qui arrive dans un village, par exemple, où ils n'ont pas la coutume, je ne sais pas moi, de s'offrir des cadeaux, eh bien, il offre un cadeau et tout le monde le suit. Mais à ce moment-là, ce sera une chose qui est déjà légiférée dans la religion et que la personne va refaire vivre et qu'elle va revivifier et les gens vont la prendre comme exemple, et eh bien à ce moment-là, elle aura la récompense de tous ceux qui l'auront fait jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est dans ce sens-là, Wallahu a'lam, qu'on comprend ce hadith et non pas dans le sens d'inventer des choses qui n'ont pas d'origine dans la religion. Wallahu a'lam. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui ont les reins solides, qui ont un niveau véritable dans la science, revenez vers le livre l'I'tisam de Chartibi. Par rapport aux prêcheurs français, j'hésite entre évoquer le sujet et m'attirer les foudres d'une certaine catégorie de personnes ou ne pas évoquer le sujet. Mais je préfère prendre le choix d'évoquer le sujet en partie, de manière très brève, pour dire que certes, il y a des erreurs qui sont faites par beaucoup de prêcheurs. Et chaque prêcheur, en tant qu'étudiant, déjà lorsqu'une personne elle dit je suis étudiant en sciences, elle déclare de sa personne qu'elle est débutante. Elle déclare de sa personne qu'elle tâtonne dans l'ilm, et donc elle essaye de transmettre ce qu'elle connaît. Mais malheureusement, c'est un sujet où il y a énormément d'exagération, où le faux a été mêlé au vrai. C'est-à-dire qu'on peut réfuter, on peut corriger des gens pour leurs erreurs, mais de là à considérer innovateurs certaines personnes pour des erreurs qu'elles auraient faites, ce n'est pas de la tradition du prophète alayhi salam, ni de la tradition des ulama. Et chaque cas est à étudier particulièrement. Certaines personnes peuvent être considérées innovateurs véritablement lorsqu'elles commettent une innovation, mais aujourd'hui on voit qu'on s'attaque à Fulan et Illan sans aucune bayina, sans aucune preuve claire, sans aucun argument, on s'attaque simplement parce qu'il a une position différente de la nôtre, alors que sa croyance est authentique, alors que sa voie est saine, alors que yani son fondement est conforme à ce que Al-Sunnah al-Jama'a décrète, mais simplement parce qu'il a dévié par exemple dans une question, ou qu'il a eu une position qui n'était pas une position agréée, ou alors une position avec laquelle on n'est pas d'accord, il se peut que ce soit lui qui a raison et que nous ayons tort. Eh bien, on va le catégoriser dans la catégorie des mubtadi'a, des innovateurs. Ça, c'est une chose qui ne fait pas partie de la justice, avant même de faire partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un sujet qui est beaucoup trop long. Je le plie pour le moment. L'innovation peut faire sortir de l'islam, oui, quand elle s'oppose au fondement de la croyance. Naam. Quand l'innovation est de deux types. L'innovation qui s'oppose au fondement de la croyance et l'innovation qui ne s'oppose pas au fondement de la croyance. L'innovation qui s'oppose au fondement de la croyance, naam, elle peut faire sortir de l'islam. Comme l'innovation, par exemple, à propos de la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, à propos de la croyance au Coran, ceux qui sont rentrés dans l'innovation comme Al-Jahmiya, qui sont partis dire jusqu'à que qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'entend pas, ne voit pas, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas de science, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas de puissance. Al-Qadariya, qui sont partis dire que l'être humain crée ses actes et que la personne a le total libre arbitre et que Allah n'a aucune influence sur les actes de la personne, eh bien ces personnes-là, elles ont donc une part
ou plutôt elles sont sorties de l'islam par leur croyance, et les autres personnes qui ont inventé une manière de prier, une manière d'évoquer ou une manière d'adorer, eh bien ces personnes-là n'ont pas elles ne sont pas sorties de l'islam par leur acte. En très très résumé, parce que ça commence à faire long. Barakallahu fikoum. S'il y a d'autres questions, inchallah, venez en privé. Par rapport au cours. Pas d'autres questions dans autre que le cours. Par rapport au cours, s'il y a des questions, venez en privé. Jazakallah khair. Salam alaikum.